Alors, vidéo suivante, c'est comment installer une bibliothèque. Alors, déjà visualisation du problème. Si dans, dans votre Tony, votre IDE Tony, vous tapez dans la zone où l'on tape le programme, importe, on va mettre NumPy AZP, et puis si je lance ce programme, je vais avoir un message d'erreur. Donc, il est en train de me dire ici, dans le shell, que le module, la bibliothèque NumPy n'a pas été trouvée. Donc si j'ai ce genre de problème, à la ligne, vous avez le numéro de la ligne où l'erreur se trouve ici, et eh bien c'est qu'il vous manque probablement une bibliothèque. Alors, puisqu'il me manque NumPy, ben, comment l'installer? Je vais aller dans Tools, Manage Package, je vais taper la bibliothèque qui m'intéresse. Alors NumPy, pardon, si je ne mets pas le N, ça ne marchera pas. Et puis je lui demande de chercher. Donc là, il me propose une version stable. Je n'ai qu'à faire install. Il installe, il télécharge, puis après installe, décompacte le paquet, puis l'installe sous Tony. Donc j'attends le petit message qui me dit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là maintenant, puisque c'est installé, je peux le désinstaller. Et là, je peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, si je lance ce module, enfin cette ligne de code, je vois que effectivement le programme s'exécute, que il n'y a plus de message d'erreur, et ici dans mes petites variables, et eh bien que parfois je vois bien la variable np et tous les modules associés et l'endroit où lui il pourra les trouver. Voilà, donc les bibliothèques pour vous allez devoir en installer un certain nombre, c'est pas plus compliqué que ça, donc je les listerai juste en dessous.